Gloire à Dieu. Père, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons pour cette journée que tu nous accordes encore la grâce de vivre. Merci pour ce moment d'encouragement, d'enseignement. Père éternel, merci d'éloigner toute confusion, toute distraction. Merci de venir parler à nos cœurs. Et dans l'obéissance, tes enfants marchent en nouveauté de vie. Merci pour ce message. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Nous prenons la parole de Dieu aujourd'hui dans Genèse chapitre 18. Nous ferons la lecture de seulement quelques versets, bien que je vous recommande de lire tout le chapitre afin d'être édifié. Genèse chapitre 18, à partir du verset 17, je suis dans la version de Louis II, il est écrit. « Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. » Verset 20. « Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. » Verset 23. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi ? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle ?» Verset 33. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Nous prenons maintenant le chapitre 19 à partir du verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine, et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il le fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il le bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Gloire et honneur soit rendu à notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, en cette nouvelle année 2021, s'il y a un vœu que tu dois exprimer à l'Éternel de manière constante, avec toute ta ferveur, c'est véritablement celui de ne pas lâcher sa main, de ne pas l'abandonner, de ne jamais te détourner de sa face. Faute de quoi tu es perdu. Loin de Dieu, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de véritable joie. Il n'y a pas de vie. Tout ce que nous voyons autour de nous, ce n'est que illusion. La véritable paix et la véritable joie ne se trouvent qu'en Dieu et en Dieu seul. Bien-aimés, les passages que nous venons à peine de lire nous montrent l'amour et la fidélité de Dieu envers nous, ses enfants. Dieu nous aime et il veut que nous vivions et non pas que nous mourions. Abraham était non seulement serviteur du Dieu vivant, mais il était également appelé l'ami de Dieu. Bien-aimé, quand tu marches de manière intègre et vraie devant Dieu, comme le faisait notre patriarche Abraham, Dieu te montre l'avenir, il te montre ses desseins. Dieu ne laisse pas ses enfants qui le craignent dans une totale ignorance. Le Seigneur, notre Dieu, notre Père bien-aimé, nous parle, nous interpelle continuellement. Il le fait au travers de sa parole quand nous l'ouvrons pour la méditer. Il le fait pendant que nous prions. Parfois, lorsque tu commences à prier, tu ressens dans ton cœur une joie, une paix. C'est aussi une manière au travers de laquelle Dieu te parle parce qu'il te rassure. Dieu te parle également quand tu es en train de le louer, l'adorer. Tu ressens cette joie qui est ta force, cette positivité
vitalité, cette envie d'aller de l'avant. Il peut également te parler au travers des songes, au travers des rêves, au travers des visions. Le tout est seulement d'avoir ce qu'on appelle le discernement pour pouvoir identifier quelle est la voix de Dieu parmi celle de ta propre chair ou alors celle de l'adversaire. Dieu peut te parler également de manière audible, te révéler quelle est sa volonté au travers de la bouche d'un frère ou d'une sœur, ou même également au travers des enseignements. Par exemple, lorsque tu écoutes un enseignement ou que tu ouvres un livre qui traite des arguments spirituels, Dieu a la capacité également de te parler. Ou alors, devant certains événements qui se déroulent, Dieu peut également te parler. Bref, nous l'aurons compris, Dieu ne désire pas que ses enfants restent dans l'ignorance. Mais au fur et à mesure que tu grandis dans la connaissance de Dieu et que tu gardes ton cœur dans l'obéissance, tu développes la capacité d'écouter la voix de Dieu, de l'entendre, et tu es alors capable de réajuster ta marche si jamais tu t'étais déjà éloigné et si tu étais déjà sur un mauvais chemin. Amos chapitre 3 verset 7 dit « Car le Seigneur, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Bien-aimés, nous avons commencé cet enseignement avec une lecture se trouvant dans la Genèse 18, ce fameux passage connu pour être la première intercession. On voit que Dieu révèle à Abraham quels sont ses desseins par rapport à la ville de Sodome et Gomorre. Et on voit comment Abraham négocie, intercède pour que la vie de son neveu Lot soit épargnée. Lorsque le Seigneur vient te révéler un dessein, c'est parce qu'il voudrait que tu intercèdes, que tu te tiennes à la brèche, que tu pries pour ce sujet-là. Abraham était fidèle à Dieu et Dieu ne lui avait pas seulement révélé les projets qu'il avait de bénédiction et de descendance pour sa propre vie, mais au travers de ce passage, on voit également qu'il vient lui révéler les choses pour épargner la vie de son neveu Lot qui vivait au milieu de l'abomination. Bien-aimé, lorsque tu marches avec Dieu, le mal, le danger qui se trame, qui se prépare, qui se mijote dans le secret, toutes les attaques sataniques provenant du monde des ténèbres contre ta vie ou contre la vie de tes chairs, Dieu te prévient. Lorsque tu demeures en connexion avec lui, l'Éternel te parle. Il dit d'ailleurs dans le psaume 32 verset 8 « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » C'est pourquoi nous devons être vigilants et ne jamais baisser la garde. Parce que pendant que nous sommes distraits, l'adversaire accomplit des dommages dans la vie des uns et des autres et parfois commençant même par nos propres vies. Voilà pourquoi nous devons sortir de cette ignorance et ce n'est que la révélation de la parole de Dieu qui allume cette lumière et nous pouvons donc être vigilants. Dans ces premiers passages que nous avons lus dans la parole de Dieu, nous voyons également que la prière c'est tout sauf un monologue, bien aimé. Beaucoup de personnes prient mais ils font comme des récitations. Mais la prière au contraire est une conversation. Un échange que nous avons avec notre Dieu, notre Père. Et parfois, comme je le disais tantôt, Dieu, au travers de la prière, a la capacité de nous répondre, de nous parler, ou même simplement, lorsque nous finissons notre prière, on sent un bien-être, on sent une légèreté, on sent une joie, une paix à la sortie d'un moment d'intercession, on se sent comme léger, bien-aimé. C'est une réponse de la part de Dieu. Restez connectés continuellement à Dieu afin de pouvoir marcher selon sa révélation. Dieu, dans les passages que nous avons lus, prévient Abraham de ses intentions et voilà que Abraham se tient à la brèche, intercède pour sa famille, se trouvant dans la saleté, dans la débauche de Sodome et Gomorre. Bien-aimé, c'est ton rôle à toi qui écoutes ce message en tant que croyant. C'est ta mission auprès de tes chers, auprès de tes parents, de tes enfants, de tes amis chers qui vivent encore dans le désordre. Et dans tout genre d'excès, Dieu t'appelle, il t'interpelle pour un sujet, c'est pour que tu puisses prier pour ces personnes qui sont dans l'égarement. Mais bien généralement, nous, soit nous n'écoutons pas, ou nous sommes bien trop occupés à vaquer à nos propres activités, ou alors carrément, parfois, étant dans l'erreur, on les juge. Pourtant, Dieu ne nous a pas établi juge sur la vie de qui que ce soit. Si tu estimes qu'un tel est dans l'erreur, alors lève-toi et intercède pour cette personne. Parce que Dieu Tout-Puissant, dans sa bonté, sa miséricorde, dans sa patience, ne veut pas la mort.
mort de cette personne, mais il désire sa repentance et qu'elle aussi parvienne à la connaissance de Christ et soit sauvée. Bien-aimés, même si cela est parfois difficile, nous ne devons pas désespérer parce que c'est quelque chose que Dieu nous appelle à faire. Beaucoup de personnes autour de nous vivent dans l'égarement et nous ne devons pas nous lasser de prier, de lutter dans la prière pour épargner leur vie des flammes. Dieu, dans son amour et sa miséricorde pour Abraham, a épargné la vie de Lot et de ses filles en envoyant ses deux anges pour les sortir de Sodome et Gomorre. Et nous voyons déjà à partir du verset 15 de ce chapitre 19 comment cela n'a pas été une tâche facile pour les anges de convaincre Lot et les gens de sa maison de partir. La parole nous dit en effet qu'ils insistèrent auprès de Lot. Ils ont insisté lourdement auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Mais Lot a continué à traîner et la parole dit « Comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. » Bien-aimés, parfois c'est difficile et c'est vraiment très dur de convaincre quelqu'un d'abandonner le péché. Parfois, on a du mal à convaincre une personne d'abandonner les mauvaises voies dans lesquelles cette personne se trouve, surtout quand cette personne est voilée comme l'était Lot. Il y a des maris, des femmes, des enfants, des frères, des sœurs, des parents qui aujourd'hui sont entêtés à vivre dans la débauche. Ils ont du mal à abandonner le chemin des marabouts. Ils ont du mal à abandonner le mensonge, la méchanceté, l'hypocrisie, la jalousie, la sorcellerie, la médisance, le mal, les calomnies. Ils ont du mal. Mais c'est notre rôle de continuer à les porter devant le Seigneur. Nous entrons maintenant dans l'argument principal de cette méditation et nous voyons cela à partir du verset 17. Car déjà dès le verset 12 du chapitre 19, nous lisons clairement que les anges avaient déjà prévenu Lot de l'intention claire de Dieu de détruire la ville. Mais cela ne semblait pas plus les interpeller que ça. Et au verset 17, la parole nous dit, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Il s'agit là d'une recommandation, on ne peut plus claire, bien-aimé, d'un ordre suivi d'une lourde conséquence en cas de désobéissance, de peur que tu ne périsses. Bien-aimé, pendant que tu vis dans ta vie de personne insouciante, il y a quelqu'un dans le secret qui se tient à la brèche et qui intercède pour ta vie. Et ça, c'est une grâce. La vérité, c'est que bon nombre de personnes sont encore en vie de nos jours grâce aux prières ferventes d'un intercesseur ou d'une intercesseuse dans le secret. Et quand Dieu envoie le secours pour faire sortir parfois de l'opprobre, on traîne les pas. Aujourd'hui, Dieu dit à un rescapé du feu, sors de là, sauve-toi et ne regarde pas plus en arrière. Ce qui est passé en 2020 est resté en 2020. Maintenant, tu es en 2021. Avec la grâce de Dieu, tu as été dépouillé de ton péché. Tu es sorti de Sodome et Gomorre. Alors, avance. Ne ressasse plus. Ne regarde plus à ce que tu faisais avant, ce à quoi tu te livrais d'habitude. Dieu te dit, ne regrette pas la saleté de ton Sodome et Gomorre. Quand Dieu a déjà détruit dans ta vie un péché, une addiction que tu avais, que tu développais, quand il a déjà détruit une mauvaise relation qui concourait à t'entraîner seulement dans le mal, alors bien-aimé, ne retourne pas à regretter cette relation-là. Aujourd'hui, au travers de ce message, Dieu te donne encore un ordre et te dit, bien-aimé, parce que je t'aime, parce que je suis miséricordieux, parce que j'ai écouté la prière élevée faite à ton endroit et que je t'ai sorti des flammes de la destruction. La parole dit au verset 16, et comme il t'a les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Bien-aimé, Lot, ses filles et sa femme étaient déjà
hors de la ville de Sodome et Gomorre. Ils étaient déjà sortis. La délivrance avait déjà été opérée. Ils étaient déjà sortis du mal. Ils étaient déjà sortis de toutes ces abominations qui se passaient. Mais c'est pourtant là que la femme de Lot s'est arrêtée pour regarder en arrière. La parole de Dieu dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque tu t'arrêtes, après avoir été dépouillé, lavé de ton opprobre, tu t'arrêtes et tu regardes encore en arrière, la parole de Dieu te dit que c'est un péché. Le livre de Luc, chapitre 9, verset 62, le Christ a dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Tu es déjà sorti de Sodome et Gomorre. Tu es sorti de ton péché, de pornographie, de masturbation, d'impudicité, d'adultère, de corruption, de mensonge et que sais-je. Tu es déjà sorti, tu es déjà délivré, tu es déjà hors de la ville. Les liens de l'iniquité, de ton péché, de ta prostitution, des relations sales que tu entretenais avec les gens, de l'argent que tu recevais en échange du sexe et autres, tu es déjà sorti de là. Tu es sorti des postes où tu étais amené à falsifier les documents en échange de pots de vin. Aujourd'hui, tu es déjà dépouillé de tous ces liens. Mais tu t'arrêtes encore. Alors que le Seigneur te dit, verset 17, après les avoir fait sortir, l'un te dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Le salaire du péché de la rétrograde, ça t'amène à périr. Lot allait périr dans ce Sodome et Gomorre sans l'intervention de Dieu. Je réitère encore ce verset de Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Quand Satan incite les gens à pécher, c'est de manière entraînante et insouciante qu'on s'enfonce au fur et à mesure. Le péché est une spirale, c'est entraînant. On est de moins en moins choqué par le péché, par les abominations. Le péché est même simplifié, banalisé. Il est complètement accepté, pratiqué sans aucun scrupule, aucun remords. On vit dans les compromis sans problème parce que Satan a déjà dominé le cœur et la pensée. Pourtant, la parole est claire dans le livre de 2 Pierre 2. Il est dit clairement que Lot regardait avec tourment tout ce qui se déroulait dans Sodome et Gomorre. Mais ça ne l'empêchait pas d'être confortablement assis là-bas parce que Lot avait une place de choix dans les activités de la ville. C'est pour ça que la parole nous dit qu'il était assis aux portes de la ville. Cela veut dire qu'il faisait partie des hauts fonctionnaires, des notables, parce que c'était leur place. Il avait une belle vie financièrement, tout allait bien pour lui matériellement. Il avait tout ce qu'il voulait, il avait les honneurs. Mais alors à quel prix? Est-ce que quelqu'un saisit ce que je suis en train de dire en ce moment? Tu as un bel appartement, une belle maison, que sais-je, une belle voiture, de l'argent qui coule à flot, mais à quel prix? Dieu te dit, après t'avoir fait sortir par sa grâce, au travers des prières, de l'intercession, de la prière fervente des justes, qui pendant que tu es dans la saleté se tient devant le Seigneur, prie pour ta vie, parce qu'ils ont compris que si tu demeures dans cette condition, tu vas être détruit. Tu es déjà sorti et tu es déjà délivré. Tu es hors de la ville. Le Seigneur te dit, cours, 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 sauve-toi pour ta vie, ne t'arrête pas, ne regarde plus en arrière. Qui t'a dit que Satan lâche facilement ses proies? La vie, c'est le combat spirituel, bien-aimé, contre les démons qui séduisent, qui aguichent, qui continuent à utiliser le mensonge pour enrober les gens dans le péché. Et lorsque tu es bien enrobé, l'adversaire dérobe, égorge et détruit. Mais quand Dieu t'a fait sortir du pétrin, il t'a délivré des addictions qui te maintenaient esclave. Il t'a retiré du filet de l'oiseleur, du joug du mal. Alors ne t'arrête pas pour regarder en arrière, parce que cela est un signe d'ingratitude claire envers Dieu qui a épargné ta vie. Beaucoup sont tombés, beaucoup sont morts, mais toi tu es encore là grâce à l'intercession d'un juste qui crie devant Dieu pour ta vie. Dans le cas de Lot, il s'agissait de son oncle, mais dans ton cas, peut-être qu'il s'agit de ton père ou de
de ta mère, qui est fatiguée de te voir dans les mauvaises attitudes, à continuer à tourner dans les addictions et autres. Et peut-être qu'il s'agit d'un frère, d'une sœur, que sais-je. Dieu interpelle le cœur de certaines personnes et montre les desseins, les choses qui s'en viennent dans ta vie. Et toi, tu dois te lever pour intercéder. Il y a des personnes comme ça qui étaient déjà en train de mourir. Dans certaines addictions, le Seigneur a saisi les intercesseurs et aujourd'hui, ils sont sortis. Il y a des familles qui étaient au bord du divorce. Le Seigneur a levé son armée et aujourd'hui, la famille est ressoudée. Il y a des personnes qui étaient en train d'avoir des accidents. Le Seigneur les a libérés et aujourd'hui, tout va bien. Mais après avoir donné cette recommandation ferme dans le verset 17, de « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toutes les plaines, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses », nous voyons quand même la femme de Lot. Au verset 26, il est dit, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Après que la délivrance eut été accomplie, cette femme qui est l'exemple même sur deux pieds de la désobéissance, un véritable gâchis, s'est arrêtée et a regardé en arrière. Elle a été tuée sur place. Elle est devenue une statue de sel pour avoir transgressé l'ordre de Dieu. Elle a regardé en arrière pour regarder quoi? Un passé qu'elle était sans doute en train de regretter, mais un passé qui était en train d'être consumé par les flammes. Elle a regardé encore à la saleté. Est-ce qu'elle avait pris au sérieux le commandement précis que les anges avaient dit? Est-ce qu'elle avait réellement compris dans quelle vie elle se trouvait? Pendant que l'Éternel était en train de détruire la ville, elle s'est arrêtée pour regarder en arrière. Bien-aimé, c'est comme quelqu'un qui a un problème et pendant qu'on est en train de le régler, il s'arrête et va encore prendre ce problème pour le remettre dans sa vie. Cette femme est morte après avoir été libérée, après avoir été délivrée. Si tu as décidé, à toi qui écoutes ce message, de marcher avec Dieu en cette année, sache que tu as fait le très bon choix. Alors, tiens ferme et attelle-toi à demeurer véritablement enraciné dans cette voie et à ne plus regarder en arrière. Parce qu'en le faisant, tu t'exposes toi-même à la destruction. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.